thème du colloque est le suivant, sous le droit, la plage. Donc, en fait, le titre du colloque est la revue du Suffrage Solidaire 68 sous le droit de la plage. 68, donc, ce slogan avait pour but de montrer que sous les pavés, la plage, c'est-à-dire sous les pavés, la liberté. Et le thème du colloque, donc, sous la plage, le droit, c'est de montrer que la plage, certes, est un endroit de liberté, mais une liberté très largement contrainte aujourd'hui. Nous avons commencé ce matin par une intervention d'un collègue scientifique, Stéphane Mounier, qui nous a présenté la plage du scientifique, parce que ça me paraît absolument capital. Et ensuite, nous avons eu diverses interventions du doyen Jean-Jacques Pardini sur la protection de la plage par l'humanité publique. Jean-Pierre Ferrand, qui est une des conférences ex-Marseille, nous a présenté la protection de la plage par l'urbanisme. Ensuite, j'ai moi-même présenté la protection de la plage par l'environnement. Un officier cet après-midi, commandant Fromont, est intervenu pour nous présenter la plage du militaire. L'avant-dernier rapport a été fait par le professeur Gontier d'Aix-Marseille sur l'ordre public sur la plage. Et enfin, la dernière intervention a lieu actuellement sur le statut du plagiste par Gontier Gontier, le professeur ici à Lyon. L'épisode de la voile rouge dans le département a bien entendu participé de l'intérêt de ce colloque pour le département. Essayer de déterminer, de découvrir quelles sont les règles du droit applicables à l'utilisation des plages, les contraintes juridiques qui passent.